Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h37, heure locale, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Quelle joie de vous savoir aussi nombreux ce soir à être, à être connectés sur nos médias afin de, n'est-ce pas, de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous, chacun de vous. Merci encore pour vos prières, pour votre soutien. Voilà, donc que le Seigneur soit béni, Père. Nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour cette émission. Nous voulons, Seigneur, recevoir ton enseignement. Au nom de Yeshua, nous nous exposons à ta parole, à ta lumière. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Voilà, mes amis, et euh, ce soir, euh, on va partager sur, euh, sur euh, un, une doctrine qui est capitale. Et euh, dans les écritures, donc un enseignement tout simplement qui est capital, capital, qui est indispensable, qui est euh, important, très important pour euh, notre euh, salut. Il est question, bien sûr, de la rédemption. Voilà. Donc euh, hier, ceux qui ont suivi un peu le direct, il y a eu, euh, n'est-ce pas, euh, on a, on, nous nous sommes, je suis intervenu là-dessus pour... Euh, davantage euh, euh, exposer l'évangile aux frères et sœurs qui aiment la vérité, qui aiment l'évangile. Et, euh, et je tenais d'abord à dire aux frères et sœurs que nous croyons et nous continuerons à croire à l'évangile, n'est-ce pas, de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, l'évangile qui parle de sa mort et de sa résurrection. Nous croyons également à cet évangile qui veut que tout est gratuit dans les évangiles, n'est-ce pas? Donc euh, le salut Yeshua a payé un prix, mais le salut est gratuit et euh, voilà donc nous croyons également bien sûr euh, euh, à tout ce que euh, les apôtres euh, nous ont apporté comme message donc euh, et euh, la rédemption qu'est-ce que la rédemption voilà donc euh, et qu'est-ce que la rançon et euh, on va essayer d'expliquer de tous ces termes-là pour la bonne compréhension des frères et sœurs c'est quoi le rachat c'est quoi la rédemption c'est quoi euh, la rançon n'est-ce pas selon les écritures et on essayera de voir aussi selon euh, 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 le dictionnaire la rousse pour la bonne compréhension. Voilà. Donc, euh, 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 nous savons que selon les écritures, et, euh, la rédemption, c'est quoi C'est justement euh, le fait que Yeshua, notre Dieu, n'est-ce pas, a payé euh, le prix, n'est-ce pas, très très fort. Pour notre euh, euh, délivrance, pour notre salut, pour notre euh, euh, restauration, notre guérison. Et il a payé une rançon. Et euh, donc, on va d'abord définir, euh, et euh, 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 si l'équipe technique peut nous aider pour nous trouver la définition de la rançon selon le dictionnaire Larousse. Et euh, voilà et euh, voilà et ensuite on va l'expliquer selon les écritures donc euh, voilà l'équipe se prépare pour ça il y a pas de problème on va d'emblée prendre le euh, l'épître euh, euh, qui constitue selon les réformateurs euh, Calvin Luther tout ça et qui constitue la cathédrale n'est-ce pas de l'évangile et euh, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Romains hein, l'épître de Paul aux Romains nous sommes dans Romains chapitre chapitre 7. Romains chapitre 7. Et euh, nous lisons, n'est-ce pas, euh, à partir euh, du verset et, euh, 13. Romains chapitre 7 à partir du verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Nullement. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par le bien afin que par le commandement, le péché apparaisse excessivement péché. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Vendu au péché. Voilà. Donc, euh, et euh, euh, selon cette parole-là, selon ce, ce verset, et euh, les hommes... Tous les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient euh, noirs, blancs, euh, jaunes, rouges, qu'ils soient arabes, qu'ils soient métis, qu'ils soient petits et grands, euh, riches et pauvres, tous les hommes, sans exception, euh, sont vendus au péché. C'est ce que les Écritures nous disent. Voilà. Alors, et, euh, et euh, donc ici, le mot, le verbe « vendre » n'est-ce hein, pas faire allusion, allusion en fait à un esclave euh, qui est vendu hein, à, à, à une personne qui est vendue comme esclave donc euh, et euh, paul nous apprend que les hommes tous les hommes sont n'est-ce pas esclaves esclaves de quel maître esclaves du péché donc nous comprenons d'emblée n'est-ce pas? Parce que quand on parle de la, de la, la rédemption, tout ça, donc on parle de, du rachat, hein, euh, de la rançon qui doit être payée pour libérer les gens et euh, les hommes. Alors ici, bien sûr, on nous dit que le maître à qui les hommes sont vendus, c'est le péché. D'accord C'est le péché. Et, euh, et euh, donc, Paul dit qu'il était vendu au péché. Donc, j'insiste là-dessus. C'est important, mes amis, de le souligner. Et euh, voilà. Et euh, donc, on va, euh, n'est-ce pas, prendre un autre passage dans euh, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 48. 46. Matthieu 13, 46. Quelqu'un pourra nous le lire rapidement. Matthieu 13, 46. Voilà. Et. Euh, en fait, c'est le même le même mot grec utilisé pour parler de, de la de du verbe « vendre hein, donc de la vente qui a eu lieu. Donc euh, voilà et euh, 13 48, 46 pardon et euh, voilà donc à partir du 16 45 pour la bonne compréhension. Donc Matthieu 13 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes perles. Il a trouvé il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà. Donc là, et, euh, on nous dit ici, et, euh, en fait, le verbe vendre ici, c'est le même terme grec utilisé euh, dans Romains chapitre 7, verset 14. Voilà. donc, euh, et, euh, et la plupart des verbes, donc, euh, en fait, dans tout le testament de Yeshua, à chaque fois que vous avez, ou dans les quatre évangiles, à chaque fois que vous avez le verbe vendre, en fait, c'est un rapport avec ce terme grec, hein, utilisé dans Romain chapitre 7, verset 14. Et Paul dit qu'il a été vendu, donc, comme toi, comme moi, hier. Nous sommes, bien sûr, rachetés, nous sommes délivrés par le Seigneur. Donc, d'emblée, nous comprenons que le maître de tous les pécheurs, de toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Yeshua, leur maître s'appelle le péché. D'accord Le péché. C'est très important de le souligner. Parce que la rédemption, c'est le rachat d'un esclave. D'accord Et nous étions esclaves du péché. Alors, on va d'abord définir euh, euh, quelques termes, notamment la rançon. Hein? Donc, euh, est-ce possible d'avoir ce terme-là sur l'écran Ce n'est pas possible. Et euh, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Et euh, Donc, voilà, la rançon. C'est quoi? Donc, selon le dictionnaire, bien sûr, euh, euh, Larousse, c'est une somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. D'accord? Voilà. Donc, c'est une somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Donc, euh, prise d'otage, enlevement, tout ça. Donc, ça, c'est ce que et, euh, le dictionnaire nous dit. Hein, donc, une somme d'argent doit être donnée à. à, à à, à, à la personne qui a ou qui retient les prisonniers. D'accord Donc euh, la rançon est une somme d'argent exigée hein, par la personne qui retient captif les prisonniers. Donc c'est à cette personne-là qui doit recevoir la rançon. Ça, ce que le monde nous dit, ce que le dictionnaire hein, de Larousse nous dit. C'est le maître, c'est celui qui détient les captifs qui reçoit la rançon. Mais dans la Bible, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que dans la Bible, n'est-ce pas, la rançon ou le, le, le rachat ne peut, n'est-ce pas, être opéré que par la personne qui est, n'est-ce pas, de la même famille que les prisonniers. Donc je dis dans la Bible, n'est-ce pas, le, la rançon n'est pas payée. Au maître qui retient les captifs. Selon la définition biblique du mot rançon, la rançon n'est pas do donnée à la personne qui retient captif les prisonniers. Donc ici, nous apprenons que le maître qui retient prisonniers les hommes de ce monde, les humains, c'est le, le péché. Donc on ne paye pas la rançon au péché, pas du tout. D'accord On ne paye pas la rançon au péché. Et la rançon euh, dans la Bible doit être payée à Dieu lui-même. Pourquoi On va l'expliquer. Et euh, et euh, on va l'expliquer calmement, tranquillement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour éventuellement nous poser vos questions. Allons d'abord, n'est-ce pas, dans la typologie. Ce qu'on appelle la typologie, c'est quoi C'est un type. Hein on va voir un type de la rédemption, du rachat dans les Écritures et euh, la typologie c'est une c'est une n'est-ce pas une image, et, euh, qui, une image une représentation n'est-ce pas et, euh, qui annonce un événement hein, ça peut annoncer aussi un, 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 l'arrivée d'une personne d'un personnage tel que le messie d'accord donc nous allons voir le type hein, donc de la rédemption du rachat nous sommes dans exode hein, donc euh, Chapitre, chapitre 12. Alors bien sûr, l'histoire euh, de la sortie des Hébreux de l'Égypte est très riche, n'est-ce pas, en enseignements concernant justement la rédemption. Et euh, voilà, donc et euh, on est dans Exode chapitre 12. Et nous savons tous que les enfants d'Israël étaient, n'est-ce pas, euh, captifs pendant 430 ans en Égypte. Ils sont restés 430 ans prisonniers, n'est-ce pas, et, euh, persécutés. Et, euh, et euh, ils étaient, n'est-ce pas, sur la fin de leur captivité, en Égypte toujours, ils étaient oppressés par, n'est-ce pas, le roi euh, d'Égypte. Exode nous le dit. Et euh, d'ailleurs, on peut rapidement le lire avant d'aller dans Exode 12, pour la bonne compréhension des frères et sœurs. Parce que je sais que vous aimez la vérité, que vous aimez la parole. Et euh, nous sommes dans... Exode chapitre 1er. Au verset, à partir du verset 1er. Et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils y entrèrent chacun avec sa famille Ruben, Simon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser Toutes les personnes issues des reins de Jacob étaient 70 âmes. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël fructifièrent et s'accrurent abondamment, et se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants, de sorte que le pays en fut rempli. Depuis, il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Agissons donc prudemment avec lui, de peur qu'il ne se multiplie et que, s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous et qu'il ne s'en aille du pays. Ils établirent donc sur le peuple des commissaires d'impôts pour l'affliger en le sur surchargeant, car le peuple bâtit des villes à grenier pour Pharaon à savoir Pitom et Ramsès. Mais plus ils l'affligeaient et plus ils multipliaient et croissaient en toute abondance. C'est pourquoi ils haïssaient les enfants d'Israël. Et les Égyptiens assujettirent les enfants d'Israël à une rude servitude, tellement qu'ils leur rendirent la vie amère par un rude travail en les employant à faire du mortier, des briques et toutes sortes d'ouvrages qui se fait au champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Et euh, donc, on voit ici bien, euh, euh, mes amis, que les Hébreux en Égypte étaient esclaves. Rappelez-vous bien que la rédemption, n'est-ce pas La rédemption, c'est la délivrance, n'est-ce pas, par le paiement d'une rançon. C'est ça la rédemption. La rédemption égale la délivrance par le paiement hein, d'une rançon. D'accord et une rançon est une somme d'argent exigée par euh, euh, une personne qui détient des captifs, qui détient des hommes et des femmes captifs. Donc la rédemption, je, je me répète, est le, la, la délivrance par le paiement d'une rançon. D'accord C'est ça, là. C'est tout simplement ça, la rédemption. La délivrance par le paiement d'une rançon. Et la rançon, c'est quoi C'est une somme d'argent exigée par la personne qui détient les captifs, hein, donc qui détient des captifs. Or, ici, nous voyons que euh, les captifs étaient euh, tous, tous originaires, n'est-ce pas, euh, d'hébreux, donc euh, des originaires euh, d'Abraham, descendants, pardon, d'Abraham. Ces captifs étaient tous, mes amis, Hébreux, voilà. Et, euh, et leur bourreau, leur maître, c'était Pharaon. Et il fallait maintenant, mes amis, délivrer ce peuple. Ils étaient captifs, Pharaon était leur maître, leur bourreau, leurs, mes amis, torsionnaires. Et ce peuple avait besoin de la délivrance, c'est-à-dire de la rédemption, du rachat. Et, mes amis, Dieu va se servir d'un libérateur. D'accord Acte chapitre 7 nous dit que Dieu va envoyer Moïse comme un libérateur, c'est-à-dire littéralement comme un rédempteur. Pourquoi Moïse Rappelez-vous bien que dans la Bible, c'est seulement, n'est-ce pas, un proche parent qui avait le droit de procéder au rachat des hommes, des femmes. On ne pouvait racheter que les personnes de, son, de, de, sa, de, sa, de sa famille. Et voilà pourquoi Dieu... Va envoyer Moïse, qui lui était aussi, mes amis, euh, originaire, euh, euh, descendant d'Abraham. Il était de la tribu de Lévi. Il était Lévite. Et Dieu envoie Moïse en Égypte, je me répète, comme un rédempteur, un libérateur, littéralement un rédempteur. Voilà ce que le mot euh, 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 grec ou hébreu, les mots grecs et hébreux euh, 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 veulent dire. D'accord Donc, nous voyons bien. Que Moïse, qui était de la famille, euh, euh, qui était de la même famille que les, les, les Hébreux, avait le droit d'aller procéder à leur délivrance. On n'a pas envoyé un étranger. Dieu a envoyé quelqu'un qui avait, mes amis, euh, les, la, les, la même origine que ce peuple. Donc, vous avez compris. Maintenant, il fallait payer une rançon, mais la rançon ici n'a pas été payée à Pharaon. Contrairement à la définition que le dictionnaire biblique donne au mot rançon, qui doit être versé, payé à la personne qui dirige, qui contrôle, qui euh, cap capture, qui a capturé les, euh, les euh, prison des prisonniers. Et là, mes amis, et euh, Moïse arrive en Égypte. Nous sommes dans Exode 12 justement. Qu'est-ce que Dieu va lui dire Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse exode 12 à partir du verset premier or yahweh dit à moïse et à aaron dans le pays d'égypte ce mois-ci sera pour vous le premier des mois il sera pour vous le premier des mois de l'année parlez à toute l'assemblée d'israël en disant au dixième jour de ce mois qu'ils apprennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père un agneau ou un chevreau par maison mais si la maison est trop petite pour un agneau on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau, sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au quatorzième jour, au quatorzième jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Et ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains, vous aurez vos souliers à vos pieds et vos bâtons à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Verset 12 Quand je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai mes jugements. Mes jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh. Verset 13. Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, car je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà. Donc, on comprend qu'ici, mes amis, il est question de la Pâque, bien sûr. C'est écrit clairement. Et euh, la Pâque nous parle, bien sûr, de Yeshua, nous parle de la croix. D'accord Donc. Vous comprenez que la rédemption, la rédemption a un rapport avec la croix. Et la croix nous parle du sacrifice. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5 que Christ est notre pâque, d'accord. Christ est notre pâque. Et la, quand on parle de la pâque, bien sûr, il est, on voit forcément l'agneau. Et nous savons tous que Jésus-Christ est aussi dépeint, dépeint comme étant l'agneau de Dieu. Il est présenté aussi comme étant l'agneau de Dieu. D'ailleurs, Jean, dans Jean euh, euh, Jean-Baptiste, bien sûr, dans Jean 1, au verset 29, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ s'est passé, il a dit à ses disciples Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, vous voyez bien, mes amis, que ici, la rançon n'a pas été payée à Pharaon. Pharaon est l'image, bien sûr, de Satan. D'accord Donc, la rançon n'a pas été payée à Pharaon, comme certaines doctrines, euh, euh, comme certaines personnes le disent. Voilà, la rançon n'a pas été payée à, fa, à, à, à Pharaon, mais Dieu a demandé à Moïse, qui était un libérateur, qui était un rédempteur, Moïse bien sûr, de prendre, n'est-ce pas, que chaque famille des Hébreux prenne un agneau ou un chevreau et qu'ils, n'est-ce pas, prennent le sang de cet animal et le mettent sur leur linteau, sur leur porte. Et que quand l'ange de la mort, quand le destructeur allait passer, n'est-ce pas, pour qu'il euh, qu ne le détruise pas, pour qu'il passe par-dessus, qu'il passe outre, littéralement, qu'il les épargne. Voilà ce que le mot Pâques veut dire. Frères et sœurs, ici, la rédemption a été opérée par un proche parent, Moïse. Elle a été la rédemption, elle a été, mes amis, paye, comment dire, faite par le sang de l'agneau, d'accord. Or, nous savons que Dieu est le Dieu qui, euh, n'est-ce pas, euh, exige du sang. À l'époque, notamment, il exige du sang pour couvrir le péché des, 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 des hommes, et par la suite, il a exigé hein, son propre sang pour pouvoir nous délivrer définitivement. D'accord Donc, vous voyez bien que la rédemption ne, ne pouvait pas s'opérer sans, n'est-ce pas Ici, bien sûr, sans le sang. Et Hébreu nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. D'accord Donc, vous voyez que et, euh, et, l'histoire juive, mes amis, et euh, 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 en fait, l'histoire de l'Église est similaire à l'histoire juive. Voilà Israël était la première église, la première assemblée, rachetée, délivrée par Moïse. Or, Moïse ici est, une, est un type de Christ. Pharaon est un type de, euh, de Satan, du péché, donc de, de Satan plutôt, ou et, euh, et, euh, aussi du péché. Et, euh, et on nous dit aussi que, mes amis, euh, et les Hébreux étaient un type, bien sûr, de l'Église. Moïse était un type de Christ, du Messie. Les Hébreux étaient un type de l'Église, des chrétiens. Et euh, l'Égypte est un type du monde. Et la mer rouge est un type de baptême, une image du, ba du baptême, selon 1 Corinthiens 10. Vous voyez mes amis Donc nous sommes ici dans ce qu'on appelle la typologie. Les images qui annonçaient des événements. Donc tout ça... Cette histoire, cette histoire notamment que nous venons de lire dans Exode 1, Exode 12, donc l'histoire des Hébreux en Égypte, leur délivrance notamment, cette histoire, mes amis, était une préfiguration, une image de la délivrance que les chrétiens ont reçue de la part de Yeshua. Moïse ne disait-il pas dans Exode 18, n'est-ce pas, 15, que Yahweh Dieu, notre Seigneur, vous suscitera Parmi vos frères, un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. D'Israël. Donc, on voit bien que Moïse parlait de, du prophète de l'Exode. D'un prophète qui allait venir pour pouvoir libérer de nouveau les hommes. Et euh, donc, je me répète, l'Égypte, c'est l'image du monde. Les, les, les Hébreux euh, euh, était une préfiguration en même temps de l'Église. Et. Euh, Pharaon représentait bien sûr euh, euh, le mal, le péché. Moïse préfigurait le Messie, le libérateur, le rédempteur, Yahweh, Dieu lui-même. Et, euh, et, et parce qu'il était, parce que Moïse était descendant d'Abraham, il pouvait prétendre bien sûr racheter ses frères, ses frères et sœurs. Et euh, mes amis, on connaît aussi l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth la Moabite, qui a été épousée après la mort de son, de son mari, qui a, qui a été, euh, n'est-ce pas, euh, qui a épousé Boaz, Boaz qui était parent, n'est-ce pas, de, du, du, de, 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 du feu mari, n'est-ce pas, de euh, Ruth, du défunt mari de Ruth. Parce que Boaz était de la famille de, 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 du mari de Ruth, qui était décédé, il pouvait prétendre prendre cette femme en mariage. Voilà. Donc, il a. Ruth a été rachetée. D'accord? Il a été. Elle a été rachetée. Ruth a été rachetée. Et elle est devenue, de ce fait, l'ancêtre du Messie. Voilà. Et euh, on peut euh, le voir rapidement dans Ruth. Hein. Voilà. Donc, euh, Ruth, chapitre. 4, rue de chapitre 4, verset 1er. Rue de chapitre 4, verset 1 Boaz donc monta à la porte et s'y assit. Et voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé passa. Boaz lui dit Ah, toi, un tel, détourne-toi et assis-toi ici. Et il se détourna et s'assit. Et Boaz prit dix hommes d'entre les anciens de la ville et leur dit Asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat Naomi, qui est revenu de la terre de Moab, a vendu la parcelle qui appartenait à notre frère Elimelech. Et moi, je me suis dit qu'il fallait t'en informer et te dire à qui est là, en présence de ceux qui sont ici, hein, assis, et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter par le droit de rachat, rachète-la. Mais tu ne, si tu ne veux pas, la racheter, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a pas d'autre que toi qui ait le droit de rachat et moi je suis après toi. Il répondit, je rachèterai. Et Boaz dit, le jour où tu accueilleras le champ de la main de Naomi, tu l'accueilleras aussi de Ruth, la, Moab, la moabite, femme du défunt, pour maintenir le, le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne puis pas je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi le droit de rachat, car je ne suis pas je ne puis pas le racheter. Autrefois en Israël, pour confirmer une affaire un, quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'homme ôtait son soulier et le donnait à son parent. C'était là, en Israël, un témoignage qu'on cédait son droit. Et par la suite, bien sûr, Boaz a fini par épouser Ruth. Donc, vous voyez bien que si Boaz, si Boaz a épousé Ruth, c'est parce qu'il était, donc Boaz, il était, n'est-ce pas, le parent, hein, donc un, un de parents du défunt mari de Ruth. Et euh, voilà. Et, euh, et les Écritures présentent Yahweh comme le rédempteur. Nous sommes dans Ésaïe, si quelqu'un peut nous le lire. Ésaïe 48, verset 17. Hein, donc, on va juste prendre ce passage-là. Ésaïe 48, verset 17. Donc Ésaïe euh, 48 verset 17 Ainsi parle Yahweh, ton rédempteur, le saint d'Israël. Je suis Yahweh ton Dieu qui t'enseigne pour ton profit et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. OK. Tu peux relire encore te plaît, dit. Ainsi parle Yahweh, ton rédempteur, le saint d'Israël. Je suis Yahweh Dieu qui t'enseigne pour ton profit et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. Ok, donc Dieu, on le sait, dans toutes les Écritures se présente comme aussi le Rédempteur, d'accord Celui qui a le droit de rachat, celui qui a le droit de rachat. Suivez très bien, frères et sœurs. Yahweh dans les Écritures se présente comme étant celui qui a le droit de rachat, d'accord Donc euh, maintenant, nous avons vu, nous avons vu que le rachat et euh, des âmes se, se faisaient par le sang, d'accord On a vu avec euh, la Pâque, or la Pâque nous parle de, de Yeshua, de son sacrifice à la croix, nous parle de la croix, de sa mort notamment, de son sang qui a coulé, d'accord Parce que l'agneau était immolé, littéralement égorgé. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, Ephésiens, chapitre 1, verset 7. Quelqu'un pourra nous le lire rapidement. La page 1093. En lui, nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des offenses selon les richesses de sa grâce. Voilà. En lui, nous avons la rédemption par son sang. D'accord La rédemption par son sang. Le sang de qui Bien sûr. Et euh, regardez le verset. Et... Euh, le verset 4, à partir du verset 3, Ephésiens 1, 3, Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendu agréables en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce. Voilà. Donc, on voit bien que la rédemption s'opère par le moyen du sang. Hein? Et ici, il est question du sang de Yeshua. Et regardez Ephésiens 5, 2, justement. On verra à qui ce sang a été donné. Est-ce à Satan ou à Dieu Donc, on va le voir. Et euh, donc, euh, nous sommes dans Ephésiens chapitre, 2, verset, euh, verset, chapitre 5, verset 2. « Et marcher dans la charité, ainsi que Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. » Donc, nous apprenons ici que Christ s'est livré lui-même. D'accord Donc, il s'est livré lui-même à qui Non, à Satan mais à Dieu, donc Christ homme bien sûr, parce que Dieu, il est, le Seigneur est 100% homme et 100% Dieu, et en tant que, euh, euh, il n'est pas mort en tant que Dieu, il est mort en tant qu'homme, d'accord Donc on voit bien qu'il s'est livré lui-même à Dieu, donc le sang a été donné à Dieu, d'accord Et c'est le sang de Dieu, selon bien sûr euh, actes 20, 28 à 29, donc il est question du sang divin, Hein, qui nous a rachetés, qui a offert à Dieu lui-même. Donc, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que nous voyons également Nous sommes euh, dans le, le livre de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 9. Merci Seigneur pour ta parole. Hébreu chapitre 9, oh, on lira à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé un tabernacle plus excellent et plus parfait qui n'est pas un tabernacle construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sang des saints, non avec le sang des veaux ou des boucs mais avec son propre sang, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Donc il est question de la rédemption toujours. Donc il est, après sa résurrection, le Seigneur est montré, Et monté, nous dit la parole de Dieu, il est monté au ciel, n'est-ce pas, frère et sœurs, présenté, bien sûr, euh, en esprit, hein, il est monté, présenté son propre sang. À quel endroit Dans le sein de saint. Si vous lisez le Lévitique 16, c'était le 10 du mois de Tsri ou le mois de Tamim, le septième mois dans le calendrier hébraïque, le calendrier, mes amis religieux, c'était au, au, au septième mois, au mois de Tamim, le septième mois, que le, le grand prêtre entrait dans le saint de saint. C'était le seul jour de l'année, hein, le 10 du mois de, euh, de, Tamim, hein, de Tamim, pardon, ou le mois de Tsri. Et c'était ce jour-là, donc le 10 du septième mois, que le grand prêtre entrer dans le sein de saint pour, n'est-ce pas, offrir des sacrifices. À quel endroit C'était le sang, n'est-ce pas, euh, euh, de cet animal était versé sur le propitiatoire, le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche. On l'appelait le propitiatoire. Hein? Donc pour faire la propitiation, le terme Exacte, la propitiation. Donc, il y en a qui utilisent l'expiation, mais euh, c'est plus la propitiation, c'est le propitiatoire, donc le couvercle. Et c'est là-dessus que le sang était versé. Or, la propitiation veut dire quoi hein? Donc, c'est euh, c'est tout simplement l'apaisement. Hein? Donc, ce mot signifie simplement apaiser. Lorsque le sang était versé sur, cette, sur ce couvercle, la colère de Dieu était apaisée envers les hommes. D'accord et, euh, et Christ, justement, a obtenu pour nous une rédemption éternelle et non provisoire comme, comme Moïse. Une rédemption éternelle. Pourquoi Parce qu'il a présenté son sang au ciel dans le sein de saint et non devant le diable. D'accord Vous avez compris que nous étions vendus au péché. Et si le diable dominait sur nous, c'est parce que notre maître, c'était le péché vendu au péché. Et qui nous a vendu au péché Eh bien, frères et sœurs, c'est Adam qui s'est vendu lui-même. Et il nous a tous vendus parce que Romains 8 nous dit que la création a été soumise à la vanité. Par qui Par Adam, le premier homme. Et Satan dira dans Luc 4 et dans Matthieu 4, surtout Luc 4, il dira au Seigneur, il va demander au Seigneur de l'adorer en lui montrant, après, avoir, après lui avoir montré tous les royaumes de ce monde. Et il dira au Seigneur, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc Satan même, mes amis, c est, c est, reconnaît, dit clairement que le monde lui a été donné par quelqu'un, et ce n'est certainement pas par Dieu, c'était par le premier, n'est-ce pas, dirigeant du monde, c'est-à-dire Adam, le premier homme à qui Dieu avait donné la gestion de la terre, en péchant en désobéissant au Seigneur, il, il s'est vendu au péché et il a vendu tous ses descendants. Voilà pourquoi euh, 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 Romains chapitre 6 et euh, euh, Romains chapitre euh, euh, 3, 23 nous dit, mes amis, on va, on va le lire. Hein. Donc, euh, Romains 3, 23. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, euh, et euh, Paul, quand il dit qu'il a été vendu au péché, Bien sûr, Adam a vendu toute la terre, hein, donc ainsi que ses habitants, au péché. Romains 3, 23 euh, nous dit et, euh, que tous ont péché, n'est-ce pas, et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, donc c'est le passage plutôt que je voulais lire, Romains 6, 23, et, euh, la parole nous dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans Romains 5 et, et 14, il est dit ceci Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Voyez À cause d'Adam. Ça, vous le savez déjà. Donc, c'est Adam, le premier homme. Qui a vendu l'humanité au péché. Qui a vendu l'humanité au péché. Et rappelez-vous bien aussi que Dieu lui-même aussi livre les gens à leur sens réprouvé. Dieu lui-même aussi livre les gens à l'esprit d'égarement. N'est-ce pas? Donc on le voit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce que, parce que ces hommes n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Voilà. Donc. On voit bien que, et même dans Romains chapitre 1, Dieu lui-même livre aussi les hommes, n'est-ce pas? Et euh, comme Paul pouvait dire également qu'il avait livré euh, Alexandre euh, 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 le forgeron à Satan. D'accord? Donc, euh, et, euh, Satan, le péché est devenu le maître des hommes parce que Adam, notre ancêtre, nous a vendus, d'accord? À cédé, à désobéir au Seigneur. Or, notre véritable maître, ce n'est pas le péché. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui notre véritable maître. D'accord et, euh, et Satan se sert maintenant de la désobéissance d'Adam et Ève pour manipuler les hommes, pour les écraser, pour devenir leur maître, n'est-ce pas Et euh, sinon, mes amis, à la base, c'était Dieu qui était notre maître. Et euh, qu'est-ce que nous apprenons euh, ici, dans Hébreu chapitre 9 nous apprenons que le sang de Yeshua, qui est le sang de Dieu, est que Yeshua est Dieu, a été offert dans le sang de Saint, au ciel, dans le sang de Saint, là où il y a la gloire de Dieu. Et c'est là que ce sang a été offert, n'est-ce pas, euh, après avoir obtenu pour nous euh, une rédemption éternelle. Et qu'est-ce que nous apprenons, Et euh, mes amis, au verset 13 de, euh, de l'épître aux Hébreux, donc chapitre 9, Hébreux 9, 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu sans nulle tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant Donc on voit bien que là encore, selon euh, euh, les Écritures, Christ s'est offert à Dieu, Christ en tant qu'homme. Il s'est offert à Dieu. Donc on voit bien, mes amis, qu'il n'a pas payé la rançon à Satan, hein, ni au péché. Il a payé la rançon à Dieu. Maintenant, euh, euh, pourquoi Dieu avait-il besoin Pourquoi Dieu avait-il besoin d'une rançon Là, parce que vous me direz, euh, logiquement, la rançon est payée au maître, hein, aux, à celui qui, euh, qui, qui rend, euh, qui, qui emprisonne les, 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 les autres, les hommes. Mais pourquoi la rançon ici doit être payée, a été payée, je dirais plutôt parce que ça a été déjà fait, elle a déjà été fait, accomplie. Cette, mes amis, rançon. Pourquoi cette rançon a-t-elle été payée à Dieu et non au péché qui est le maître des hommes Eh bien, c'est simple. Parce que il y a une loi dans les Écritures appelée la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu tues on doit te tuer. Tu euh, coupes la main de quelqu'un, la main gauche, on doit te couper la main gauche. D'accord Ça, c'est la loi que Moïse a reçue de la part du Seigneur. Et cette loi nous révélait la justice de Dieu. Dieu est juste. Celui qui tuait, était tué. Celui qui égorgeait les, les gens, on l'égorgeait. C'est cela la justice. La juste, l'équilibre. Maintenant. L'exigence, ou je dirais les exigences de la justice divine, sont telles que aucun homme ne pouvait, n'est-ce pas, y répondre. Aucun homme ne pouvait répondre aux exigences de la justice divine. Je prends un exemple. Quand la loi morale a été révélée aux hommes, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, Romain nous dit ceci, Paul dit que quand la loi a été révélée, n'est-ce pas, la condamnation est venue. Parce que la loi dit, tu ne, tu, ne dois pas, tu ne dois pas convoiter. Or, il est impossible à un homme qui n'est pas assisté par le Saint-Esprit de ne pas convoiter. Voyez, c'est impossible. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, se, euh, ne pouvait obéir à la loi de Dieu. La loi morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Personne. Personne ne peut obéir à ces lois sans l'aide de Dieu. D'accord Voilà pourquoi il fallait maintenant une rançon pour que les esclaves que nous étions au péché, parce qu'on péchait tout le temps parce qu'on ne pouvait pas ne pas pécher. Maintenant, il fallait une rançon, c'est-à-dire Dieu, sa justice réclamait un sang, hein, du sang pur qui pouvait nous nettoyer et nous amener, n'est-ce pas, à la hauteur, au niveau de la justice de Dieu. Et seul le sang de Dieu était capable de nous purifier, de nous délivrer. Et voilà pourquoi, mes amis, c'est à Dieu lui-même que la rançon devait être payée. Pourquoi Il fallait un coupable. Celui qui tue, on doit le tuer. Celui qui vole, on doit, le, on doit aussi le voler. Alors, Dieu se dit comme les hommes sont condamnés à cause de leurs péchés, étant donné qu'ils sont tous euh, héritiers, descendants d'Adam et Ève, ils ont reçu leur semence pourrie, polluée, leur sang pollué. Alors, sur terre, il n'y a aucun homme capable de délivrer les, les humains. Dans le ciel, à part moi, il n'y a personne parce que les anges sont des esprits. Moi-même, je suis l'Esprit suprême, donc Dieu. Il a dit, maintenant, je, pour racheter les humains, il faut, il faut être pro, euh, leurs parents, être semblable à eux. Or, au ciel, il n'y a personne qui soit semblable aux humains. Parce que tous, au ciel, nous sommes purs, saints, des esprits. Dieu dit je dois devenir comme les hommes. Voilà pourquoi Dieu est devenu homme pour être comme nous, pour être notre parent. Il n'est pas devenu un lézard pour sauver les hommes. Non, il fallait pour la rédemption, il faut être parent de la même famille que les gens que tu veux délivrer. C'est pour cela qu'il est devenu homme. 1 Timothée 3:16 nous dit et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est pour cela que Emmanuel est venu. Il est devenu comme toi, comme moi. Il est né comme tout le monde, sauf qu'il n'y avait pas le concours de l'homme. D'accord Conçu par le Saint-Esprit. Et il est resté neuf mois dans le ventre de cette femme, de Marie, comme tous les humains. Il est né comme tout le monde. Il a grandi comme tout le monde. Il a paru comme un vrai homme, nous dit Philippiens 2. On pouvait le toucher, il pouvait se fatiguer, il pouvait pleurer, il pouvait manger, il pouvait dormir. D'accord Il a accepté les limitations physiques, les limites physiques. Il pouvait se fatiguer, selon Jean 4. La Bible nous dit qu'il est devenu semblable, il a paru comme un vrai homme, semblable à ses frères, pour pouvoir les délivrer, leur venir en aide. Il ne nous a pas sauvés en tant que Dieu. Il nous a sauvés en tant qu'hommes. Il n'est pas mort en tant que Dieu, il est mort en tant qu'homme. Voilà pourquoi, quand il est venu, mes amis, maintenant il fallait que la loi de Dieu, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, soit appliquée. Il fallait que les hommes payent pour leurs péchés. Alors, lui, quand il est venu, il a pris tous nos péchés sur lui. D'accord il a subi la mort à notre place. Il a subi le rejet à notre place. Il n'y a pas une seule souffrance que les hommes connaissent, que Christ n'ait connue de manière, n'est-ce pas, je ne sais pas, euh, 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 particulière, intense. C'est pour cela, mes amis, 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, on va le lire, 2 Corinthiens 5, 21. Merci Seigneur pour ta parole. Là, on est encore un peu dans l'introduction. Nous sommes en train de sortir de l'introduction pour aller dans le menu. 2 Corinthiens 5, 21. Car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justes devant Dieu par lui. Car celui qui n'a jamais péché, il a, fait de, il a fait devenir péché. Christ est devenu péché et non pécheur. Parce qu'il n'a jamais péché. Mais il est devenu péché. Pourquoi? Parce que le péché était notre maître. Or, pour nous racheter, il aurait fallu qu'il soit péché comme le péché. D'accord Tout en versant son sang pur dans le ciel là-bas. En présentant son, son sang dans le sang de saint. Donc il est devenu péché. Il a pris notre place. Esaïe 53 nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc du coup, comme il a tout pris sur lui, à ta place, il est mort à ta, à ta place, il est mort à ma place, il pouvait bien sûr te libérer. Le libérateur qui viendra de Sion, de Romains 11. Mes amis, il a pris tout sur lui, et il est allé sur la croix, et on nous dit qu'il s'est offert à Dieu et non à Satan. Attention. Satan, mes amis, n'était pas notre maître avant la chute. Il ne pouvait prétendre à aucune rançon parce que c'est pas lui qui mais qui avait décidé de nous retenir. C'est Adam qui nous avait vendus, rappelez-vous bien. Satan l'a séduit, mais c'est Adam qui avait cédé. Voilà. Donc, la rançon n'a aucunement été n'a jamais été payée et ne sera jamais payée à Satan. Jamais. Ça, c'est une insulte à l'œuvre de la croix. Ça serait élever le diable au niveau de Dieu. C'est une insulte, c'est une hérésie. Il faut, celui qui a ce, ceux qui enseignent cette doctrine-là, doivent se repentir publiquement. Sinon, il y a la colère de Dieu. La parole est claire. Voilà. Et, mes amis, maintenant, qu'est-ce que nous apprenons Dieu réclamait. Un sang, du sang pur. Et il a trouvé ce sang en lui-même. C'est pour cela Dieu est devenu homme. D'accord? Et rappelez-vous bien que l'agneau pascal, l'agneau pascal, l'agneau de Pâques n'était pas présenté, offert à Satan. Et cet agneau ne pouvait pas être consommé par les étrangers. La Pâque est une fête, hein, c'est la plus grande fête juive. Et elle était, mes amis, c'était une fête, la fête des enfants de Dieu. Aucun étranger nous dit, Hébreu, euh, Exode 12, ne devait manger, n'est-ce hein, pas, euh, euh, cet, cet agneau-là, euh, euh, s'il n'était pas purifié, sanctifié. D'accord Donc c'était un repas, d'ailleurs c'est l'image du repas du Seigneur, hein, qu'on appelait hier euh, la Sainte Cène. Paul dit que ceux qui mangent de manière indigne ce repas ont des problèmes de santé. Il y en a qui sont morts. Voyez mes amis. Et donc on voit bien que l'offrande le, le, le de Pâques, l'offrande de Pâques, hein, l'offrande de Pâques, l'agneau pascal, l'offrande de Pâques n'était pas du tout mes amis euh, réservée aux, euh, aux étrangers. C'était un repas pour les enfants de Dieu. C'était un animal qui était offert à Dieu directement on a l'image ici n'est-ce pas d'isaac euh, qui était offert à dieu par son père abraham et non à satan donc la rédemption dans la bible c'est le sang de dieu qui a été versé devant dieu lui-même voilà c'est la, du du euh, la loi du talion tu tues on doit te tuer tu, tu voles on doit te voler c'est cette loi qui a été accomplie parce que christ a subi la mort à notre place christ a subi le rejet Hein, à notre place, Christ a tout pris sur lui, c'est pour cela que nous n'avons aucun mérite, aucun mérite, d'accord Et toujours dans Hébreu chapitre 9, 9 verset 25, « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, ainsi que le grand prêtre entre dans le sang de sang chaque année avec un autre sang. » Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Vous voyez mes amis Et la Bible nous dit au verset... 22 Et presque toutes choses selon la loi sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et euh, c'est terrible, mes amis, si vous lisez tout le chapitre 9 du livre euh, de l'Épître aux Hébreux. Et la parole est claire. Regardez au verset euh, 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 Hébreu 10, le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux. Et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, a dit, Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé encore, Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit de moi au commencement du livre. Que je fasse, ô oh Dieu, ta volonté. Donc si vous lisez, mes amis, ces deux chapitres-là, 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, vous comprendrez encore bien comme il faut la rédemption. C'est-à-dire, la rédemption, c'est quoi On l'a vu, la rédemption, c'est la, la délivrance par le paiement d'une rançon. Et cette rançon, selon la Bible, n'est aucunement payée, n'est-ce pas, au, 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 à Satan ou au péché qui est. Le, le péché est notre, était notre maître. Il est le maître de ceux qui ne sont pas en Christ. Mais cette rançon a été payée à Dieu lui-même, n'est-ce pas Donc, c'est ce, ce sacrifice de Yeshua, en fait, qui est. Mes, mes, mes amis, et, euh, et euh, qui, a, euh, qui nous a délivrés. Hein, C'est par ce sacrifice que Dieu nous a délivrés. Maintenant, Paul utilise trois termes grecs pour parler de la rédemption, pour parler du rachat, d'accord Pour parler de notre délivrance. Et je vais me lever pour pouvoir euh, écrire ces trois termes. On en a parlé euh, rapidement hier. Voilà, là on rentre encore dans le vif, vif du sujet. Alors, euh, on va nous aider avec la caméra. Le premier terme, c'est Agorazo. Agorazo, et euh, ça, c'est le premier terme et, euh, que nous avons, qui signifie simplement acheter. D'accord et, euh, et, euh, et qu'est-ce que nous avons Pardon, agorazo, c'est marché, comme je disais. Qu'est-ce que je raconte là Donc, euh, acheter au marché. Hein Donc, euh, acheter au marché, voilà. Acheter au marché. Et euh, acheter au marché. Agora, agora acheté au marché. La racine de ce mot-là, c'est Agora, Agora. Agora qui veut dire marché ou encore place publique. D'accord? Donc, le premier mot utilisé par Paul dans les Écritures, il n'y a pas que Paul, hein, donc il y en a, a d'autres, Pierre également. Et pour parler de la rédemption, pour parler de l'œuvre de la croix, c'est agorazo, donc acheter au marché. Et bien sûr, il est question des esclaves qui étaient achetés au marché, vendus au marché, d'accord Et euh, voilà. Et, euh, et la racine de ce mot-là, c'est agora, donc l'agora, agora. c'est le marché ou encore la place publique. Et vous retrouverez ce mot-là dans les Écritures, notamment dans, et euh, comment dire, dans Acte chapitre 17, et euh, Acte 16, pardon, où il est question de Pierre, de, de Paul, hein, et euh, qui, qui était sur la place publique pour annoncer l'Évangile. Et Paul le dit également dans l Acte 20, hein, que je ne cesse nuit et jour, de vous annoncer l'Évangile dans les maisons et sur les places publiques. Donc les places publiques, là, ben, c'est agora. Euh, et donc nous étions... Vendu au marché, hein? vendu au marché et euh, comme esclave. D'accord Esclave de quoi Esclave du péché, comme on l'a vu, mes frères et sœurs. Esclave du péché. Nous étions vendus au marché comme esclaves du péché. Voilà. Et euh, on va voir des versets par rapport à ces expressions, ces, ces mots, pardon, tout à l'heure. Le deuxième terme utilisé, c'est... Hexagora, Hexagorazo, donc euh, Hexagorazo, voilà. Et euh, vous avez le préfixe e -X -X. « ex »,« ex », d'accord Et euh, qui vient bien sûr de « e » et « k e »,« ek », qui veut dire « hors de ». Hors de. Hexagorazo. Euh, voilà, hors de. Donc, extrait du marché. Extrait du marché. D'accord Hors du marché. Il est question, n'est-ce pas, des esclaves okay. qui étaient vendus au marché. Et le Seigneur est allé dans ce marché, sur le plan spirituel, bien sûr. Et il nous a extrait de ce marché. Et il nous a sortis de là. Il n'a pas payé la rançon euh, pour nous, euh, au, au péché ou à Satan. Rappelez-vous bien qu'il a versé son sang à la croix. Il a payé la rançon. Yeshua homme a payé la rançon au Père. Et euh, pour nous extraire, pour nous sortir du marché, pour nous sortir de cette transaction, n'est-ce pas, et qui se faisait, et, euh, voilà, il nous a sortis de là. Rappelez-vous bien que nous étions également des esclaves, hein, donc esclaves de, de, des liens familiaux, des liens ancestraux, et euh, à cause du péché, hein, qui était notre premier maître. Et les démons, Satan, tout ça, les sorciers, les satanistes pouvaient se servir de cela, n'est-ce pas, pour, pour, pour nous manipuler, pour nous contrôler, pour nous posséder, tout ça. Donc, Yeshua passe son sacrifice excellent. Par son sacrifice parfait, il nous a, il est allé dans ce marché, il nous a, il nous en a extrait, d'accord, il nous en a sorti de là. Et le troisième terme utilisé par Paul, c'est l'utro. L'utro, qui veut dire, donc là. Euh, hors du marché, hein, hors du marché, Hexa, hein, hexagora, donc euh, hors du marché, et Lut lutro, c'est racheter, d'accord, racheter et euh, délivrer, d'accord, il vient au marché, donc agorazo, euh, Agorazo et euh, il nous a où nous étions vendus, d'accord Il nous a euh, euh, où les gens étaient vendus et euh, il était dans ce marché et, euh, et euh, où on était vendus et il nous a délivré de là, donc de ce marché. Il nous a sorti, pardon. Il nous a sorti de là, donc il arrive ici. Il nous sort exagorazo. Il nous sort du marché. Et il ne nous a pas laissé comme ça, il nous a délivré parce qu'il y avait des liens. Vous arrivez dans un marché, vous sortez les gens de ce marché avec leurs liens, comme avec, euh, n'est-ce pas, quand, il a, quand, quand le Seigneur a, a, a ressuscité Lazare, il est allé dans le séjour des morts, la parole qui est sortie bien sûr, est allée dans le séjour des morts et cette parole a sorti Lazare exagorazo a sorti Lazare n'est-ce pas du séjour des morts l'image du marché juste un exemple comme ça ensuite il a dit aux gens déliez-le et laissez-le aller déliez-le c'est-à-dire c'est la délivrance c'est le rachat d'accord Lazare maintenant qui est sorti avec des liens devait être détaché et c'est il y a trois actions la première action le seigneur arrive sur le marché d'accord il regarde ses frères et sœurs, parce que c'est le proche parent qui doit racheter hein, euh, 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 sa famille. Donc il arrive sur le marché, il nous a localisés. Nous étions là, liés, avec des liens familiaux, des liens ancestraux, vendus, n'est-ce pas, euh, par notre maître, c'est-à-dire le péché, manipulés par des démons, par le diable, par des sorciers de nos familles, par d'autres sorciers. Et le Seigneur nous a, une fois qu'il nous a localisés, il nous a sortis de ce marché. Donc, hexagorazo, d'accord, hexagorazo. Et troisièmement, c'est lutro, l'utro, c'est-à-dire racheter, n'est-ce pas? Délivrer, hein? affranchi, hein? de toutes sortes de liens, tout ça. Donc vous voyez, il y a trois actions. Et on peut retrouver ces trois actions, comme je voulais signifier, euh, lors de la résurrection de Lazare. Le Seigneur est arrivé devant la tombe de Lazare. Il a parlé, Lazare sort. La parole qui est sortie là. La parole est allée dans le séjour des morts où était Lazare. Parce que son corps était dans la tombe, mais son esprit, son âme était dans le séjour des morts. D'accord Parce que le, le ciel n'était pas encore ouvert à l'époque. Et la parole est allée chercher Lazare dans le séjour des morts, son esprit. Et ça, c'est l'image du marché. Et là, la deuxième action par rapport à Lazare, c'est la sortie. Hexagoras, la sortie de la tombe. Et la troisième action, c'est le, le rachat, c'est-à-dire c'est l'outreau, hein, ou l'outreau, c'est le détachement des liens. Vous voyez, frères et sœurs, et ça c'est magnifique, l'œuvre, c'est beau, l'œuvre que le Seigneur a accompli, la rédemption de nos âmes. Et regardez, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous ont transmises. Voilà. Voyez ici, Paul dit que nous avons été rachetés. Comme à Pierre, pardon. Et le verbe racheter vient du grec lutro. D'accord Vient de lutro, ici, lutro. Et lutro veut dire racheter ou encore délivrer après, n'est-ce pas, le paiement d'une rançon. C'est ce que le grec veut dire. Délivrer après le paiement d'une rançon. Et ça, c'est magnifique. C'est pour cela que, avant l'œuvre de la croix, nous ne pouvions prétendre à la délivrance, à la, à, au salut. Vous voyez, c'est pour cela que les prophètes ont annoncé le salut par la mort de Yeshua, par sa mort et sa résurrection. C'est ça même la base de l'évangile. C'est pour cela qu'il faut annoncer cet évangile-là, la croix, tout simplement. Donc la, la, la réforme des cœurs, la réforme des églises, c'est le retour à la croix, c'est le retour au message biblique. Donc voyez mes amis, le premier terme, donc euh, il y a trois termes, hein, donc euh, agorazo qui vient de agora marché, d'accord, et, euh, et euh, ensuite il y a exagorazo sortir du marché, et euh, troisièmement il y a lutro et euh, qui veut dire racheter, délivrer, Et après avoir payé la rançon. Voilà ce que lutro veut dire. Et on retrouve lutro justement dans un euh, euh, Pierre chapitre premier au verset Justement, euh, euh, 18. Donc, racheter. Voilà. Et euh, délivrer. On retrouve l'Utro également, cette, cette notion de la délivrance, dans Colossiens 1.12. Quelqu'un peut le lire. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1.12 nous dit Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saint. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres hein, et nous a transportés dans le royaume de son Fils. En qui, la, la, la en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Voyez En hein, qui nous avons la rédemption et la rémission ou le pardon de nos péchés. Donc, voyez bien que et nous avons été délivrés. On a été délivrés. Les chrétiens sont délivrés. Ça, vous le savez. Ils ne doivent plus, mes amis, s'ils craignent Dieu, ils ne doivent plus chercher des gens pour leur imposer les mains et recevoir la délivrance. Voilà. À moins qu'ils euh, euh, qu fassent qu n'importe quoi avec leur, leur, vie, leur salut. Donc on retrouve l'utro, c'est dans, dans les Écritures. Donc comme on l'a vu, ensuite nous allons dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, verset 23 au verset 24. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Car tous sont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez mes amis, ils sont gratuitement, sans payer. Nous n'avons pas payé. C'est ça qui est magnifique. Nous n'avons pas payé. C'est Dieu lui-même qui a payé. Parce qu'il a versé son sang, en, euh, qui, est dans, euh, qui était en Yeshua, homme. Donc c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a payé le prix. Il a payé le prix, à son père. Yeshua homme a payé le prix à son père. Il a versé son sang. Ça vous le savez. Et la justice divine avait besoin du sang pur pour pouvoir nous pardonner. Yeshua disait aux pharisiens, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez jamais sauvés. Et il disait également que nous devions nous, nous devrions être saints. Il disait soyez saints comme votre père céleste est saint. Soyez parfaits précisément. Comme votre Père Céleste est parfait. Or, nous, en tant qu'hommes vendus au péché à l'époque, nous, en tant qu'humains vendus au péché, nous ne pouvions pas devenir parfaits sans l'aide de Dieu. Parce que Dieu est tellement saint que pour atteindre ses exigences, pour atteindre sa sainteté, sa perfection, il fallait son sang. Et lui seul pouvait, mes amis, donner, euh, 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 lui seul pouvait nous sauver. Donc, ici, nous avons vu que. Et euh, euh, la rédemption s'obtient grâce au sacrifice justement de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, regardez, on a vu que Agorazo, c'est acheter un objet au marché. D'accord Donc, acheter un objet au marché. Donc, dans la rédemption, rédemption c'est-à-dire la délivrance, rédemption égale, délivrance par le paiement de la rançon, ou d'une rançon. Donc, dans la rédemption, nous avons d'abord... Agorazo, c'est-à-dire nous avons été achetés au marché. D'accord Achet, Achetés. Nous avons été achetés. Donc, Christ a payé à qui Il n'a pas payé euh, euh, au péché, il n'a pas payé, donné cette, cette, cette rançon au péché qui était notre maître. Il n'a pas non plus donné cette rançon à Satan. Il a payé le prix, il a versé son sang, il a, n'est-ce pas, amené son sang dans le sein de Saint au ciel. Ça, vous l'avez compris. Donc, il y a la notion de l'achat. Et il y a aussi la notion du rachat. Vous voyez, c'est deux termes différents. Hein Donc, il y a l'achat et il y, la, y a le rachat. D'accord Racheter quelque chose, c'est reprendre ses droits. C'est acheter quelque chose qui t'appartenait avant. Si on dit, je veux racheter ma maison. C'est-à-dire, avant, j'avais cette maison, elle m'appartenait, je l'ai perdue. Je l'ai vendu. Ensuite, je veux la racheter. Donc, vous voyez bien que notre maître, le premier maître que nous avons eu, c'est Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Donc, euh, ensuite, il y, a, il, y a, donc, euh, il y a, comme on l'a vu, il y a Hexagorazo. Il nous a acheté. Il ne nous a pas laissé au marché, bien sûr. Il nous a, parce qu'il nous a acheté, il nous a, a sorti de ce marché. Donc, voilà pourquoi, ceux qui vous enseignent que vous avez encore vos liens familiaux ancestraux, alors que vous êtes chrétiens, mes amis, euh, doivent être enseignés correctement, parce que le Seigneur ne nous a pas seulement achetés, il nous a également sortis de ce marché, Hexagorazo. Il ne nous a pas seulement sortis de ce marché, il nous a également rachetés. Donc, acheter, sortir du marché, racheter. C'est terrible, hein? Trois actions. Acheter, sortir du marché, racheter. Acheter. Sorti du marché, acheté, racheté. Et ça, c'est beau. Vous voyez, c'est, 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 en hébreu, le chiffre 3, mes amis, euh, et, et la, le, le, le chiffre, le nombre de la confirmation, hein, de l'accomplissement. De l'accomplissement. La, voilà pourquoi Yeshua, mes amis, est resté trois jours sous terre, n'est-ce pas? Donc, euh, et trois actions pour parler de notre délivrance. Et ça, c'est magnifique. C'est beau. Et nous sommes toujours dans Romains chapitre 3, mes amis, et euh, au verset euh, 24. Et, euh, et voilà, nous sommes, et si on peut nous lire Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Merci Seigneur, Dieu est bon. Quelqu'un peut le lire, Galate 3,13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit Maudit et quiconque est pendu au bois. Il nous a racheté aussi de la, de la loi. Il nous a racheté du péché, d'accord, qui était notre maître. Il nous a aussi racheté de la loi. Donc vous voyez bien qu'il y avait la loi qui nous contrôlait, qui nous condamnait. Il y avait le péché qui, nous, qui, qui régnait sur nous. Il y avait les démons qui nous manipulaient. Donc Christ nous a délivrés. D'abord du péché, ensuite des démons, de Satan. Troisièmement, n'est-ce pas, de la loi mosaïque qui nous condamnait. Et ça, c'est beau. Donc, vous avez ici le verbe racheter. D'accord Il nous a rachetés. Et, et ça, c'est magnifique. Il nous a rachetés. Nous dit, donc, tu peux le relire encore, Teddy, s'il te plaît. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois galates 5 4 5 Galate 4 5 afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption alors racheter ici dans ce deux passages là que tu as lu de galates c'est hexagorazo d'accord hexagorazo donc euh, et ça c'est beau donc vous voyez il nous a donc on a lu le premier passage hein, c'est l'utro. il nous a racheté il nous a délivré parce qu'il a payé une rançon Ensuite, euh, Galates 3, euh, 13 et Galate 4, 5, ces deux passages nous disent que, eh ben, il nous a rachetés, c'est-à-dire littéralement, il nous a sorti du marché. Waouh! Alléluia! Amen. Donc, t'es dit tel que tu es là, tu n'es plus un objet de vente, un produit qu'on doit, qu doit vendre. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il est en train de sortir ses, ses, son peuple du marché euh, des commerçants qui vendent des CD, des DVD chrétiens, qui vendent des ouvrages chrétiens et qui veulent imposer, qui disent que la gratuité, ce n'est pas vraiment ça. C est, c est, tout, tout est gratuit dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, le prix a été payé par Yeshua. La grâce, le salut est gratuit. Maintenant, bien sûr, on paye, il y a un prix que nous payons, c'est-à-dire la persécution. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Nous souffrons pour... pour et voir aussi les âmes être touchées, ça, il n'y a pas de problème. Nous souffrons, la croix, oui, il n'y a pas de problème, la persécution. Mais, mes amis, euh, et, euh, aller vendre les choses ici et là pour, euh, pour, pour faire avancer le royaume du Seigneur, ce n'est pas correct. Aller acheter des choses pour faire avancer le royaume, ce n'est pas correct. Tout est gratuit. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, on va marteler cela jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Cela ne nous empêche pas de soutenir financièrement l'œuvre du Seigneur, les frères et ceux qui ont besoin. besoins. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je tiens à préciser, depuis que nous prêchons le message de la gratuité, mes amis, que tout est gratuit selon Matthieu 18. Nous voyons comment des chrétiens, mes amis, soutiennent financièrement l'œuvre du Seigneur. Donc, ça, mes amis, on peut le démontrer. Les preuves sont là. Et nous tenons à dire merci au Seigneur et merci aux frères et sœurs qui soutiennent ce, cette œuvre-là. Et qui soutiennent les, les pauvres, les, 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 les orphelins, les veuves. Voilà. Donc, vous avez vu, donc, il y a Galate 3, 13 et Galate 4, 5 qui nous parlent de la sortie du marché hein, par Yeshua. Et nous sommes. Toujours dans Romains chapitre, euh, euh, dans Romain, chapitre euh, euh, 3, verset 24, si on peut encore le relire. Et ils sont gratuitement... dit tu peux le relire, s'il te plaît Ou si tu l'as trouvé. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu peux le relire encore, s'il te plaît Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah, ça, ce passage-là. Encore, une fois. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce... Par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement, ils n'ont pas payé, nous n'avons pas payé, gratuitement justifiés, gratuitement justifiés par grâce. Que Dieu, mes amis, soit, soit béni, que Dieu soit glorifié au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On va lire encore, mes amis, Tite 2,14. Tite 2,14. A trouvé. Oh, oh. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. Titre 2.14. Excuse-moi. Je Je vais dire. Okay. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre. Afin de nous racheter de quoi de toute iniquité. De toute iniquité. Donc là encore, on a un autre passage qui nous dit que nous avons été délivrés du péché. D'accord Donc, euh, et la rançon n'a pas été payée au péché, ça on a compris. Donc, euh, ni à Satan, c'est à Dieu et à Dieu seul. Parce que la rédemption, c'est le fait de nous amener, n'est-ce pas, à, 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 au niveau, à la hauteur de la justice divine pour pouvoir approcher Dieu dans l'adoration, pour le servir pour l'adorer et ainsi de suite. Voilà, frères et sœurs. Et voilà ce que le Seigneur a opéré, voilà ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous sauver. Donc, je me répète pour la bonne compréhension euh, 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 du message, hein, pour bien comprendre la pensée que le Seigneur euh, nous communique ce soir. Trois termes grecs étaient utilisés pour parler de la rédemption. C'est quoi la rédemption La rédemption signifie la délivrance par le paiement de la rançon. Par le paiement d'une rançon. Et qui a payé la rançon ici Eh bien, c'est Yeshua, homme, n'est-ce pas Jésus-Christ, homme. Et à qui a-t-il payé cette rançon Il ne l'a pas payé à Satan, il ne l'a pas payé au démon, il ne l'a pas payé au péché qui était notre maître, il a payé à son Père, il a payé à Dieu, Jésus-Christ, homme, il a payé à Dieu. Pourquoi à Dieu Parce que Dieu est tellement juste qu'il, mes amis, euh, exige. Que les pécheurs subissent des, euh, des jugements, que celui qui, qui tue doit être tué. Voilà pourquoi, pour sauver les hommes que nous sommes, Dieu, bien sûr, est devenu homme. Pourquoi homme Parce que le rédempteur ne pouvait prétendre sauver les gens s'il n'était pas de la même famille qu'eux. Voilà pourquoi Dieu est devenu homme, comme nous, semblable à nous, pour pouvoir nous sauver en tant qu'homme c'est magnifique, mes amis, cette œuvre-là. C'est glorieux. Et il nous a sauvés en tant qu'hommes. Il a sauvé la, la race, la descendance d'Adam. Voilà pourquoi vous verrez dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 3, il est question de la généalogie de Jésus-Christ, homme, qui remonte jusqu'à Adam, le premier homme. Voyez Donc il est venu sauver la descendance d'Adam et Ève. Et nous sommes dans Hébreu chapitre 2, verset 14. Hébreu 2, 14. Quelqu'un l'a trouvé Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort, il rende impuissant. impuissant celui qui avait la puissance de la, de la mort, mort c'est-à-dire le, le diable. Tu ne peux pas rendre impuissant quelqu'un et l'enrichir encore en lui payant une rançon Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur, mes amis, c'est magnifique. Si tu payes la rançon à Satan, tu l'enrichis, tu le rends puissant. Amen. Or, Jésus-Christ est venu pour rendre impuissant. C'est-à-dire pour dépouiller. N'est-ce pas, pas qu'il est écrit qu'il a dépouillé Non, 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 non. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il a dépouillé Amen. Alors pourquoi vous allez dire que la rançon a été payée à Satan Ça, c'est dire que Satan a été enrichi par Jésus-Christ. Alors qu'il n'a jamais été notre maître à l'origine. Il a usurpé. C'est un voleur. Et un menteur. Il a volé les clés. Parce qu'Adam a cédé ses clés. Et nous sommes. Donc, on a... il a rendu un puissant. puissant. Non, on, tous, on peut tous répéter cela. Afin de rendre impuissant. impuissant. Afin de rendre impuissant. impuissant. Afin de rendre impuissant. impuissant. Celui qui est impuissant, il n'a plus de puissance. Il n'a plus de force. Nous sommes d'accord. Alors, le mot impuissant, c'est inopérant. Incapable. Or, les riches sont capables de choses. Les pauvres sont incapables de faire des choses, certaines choses que les riches peuvent faire, comme manger, voyager ici et là, tout ça. Là. Donc, Satan, par la, la rédemption, par la mort de, la, de Yeshua à la croix, par la mort de Jésus-Christ, Satan a été, mes amis, appauvri. Appauvri de qui De nous. Il n'était plus euh, notre, euh, notre chef. Il n'est plus notre chef. Il a été appauvri de quoi De quoi, mes amis De qui De nous De quoi Et euh, eh bien, des clés. De la mort et du séjour de mort. Nous sommes dans Apocalypse 1,18, mes amis. Il nous faut la parole. Il nous faut, mes amis, être enseignés hein, correctement pour pouvoir défendre la sainte doctrine. C'est important, c'est capital, mes amis. Satan, Hébreu 2,14, nous dit que il a été rendu impuissant parce que Christ a paru comme un vrai homme, comme les enfants participent à la chair et à la naissance, et au sang, il y a participé lui-même. Apocalypse 1,18. Ah, dit, bon. Je suis le premier et le dernier et je vis. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de Hadès et de la mort. Ah Je tiens les clés de Hades, l'enfer, et de là, de la mort. Satan a été, mes amis, appauvri. On va encore prendre un autre passage qui est beaucoup plus... qui est terrible encore. Déjà, ce passage est, est, est trop fort. Tous les passages bibliques sont forts, sont magnifiques. Il n'y a pas de souci. Il y a un autre passage encore qui... Mes amis, confirme la véracité de l'appauvrissement de Satan par le Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'aime la parole, mes amis. Non, le Seigneur enrichit ses enfants. Il n'enrichit pas le, le diable. D'accord Nous sommes dans Colossiens 1, Colossiens 2, 14. Alléluia, gloire à Dieu. Colossiens 2, 14. Il a effacé Oh voilà les, les, les conséquences hein, hein, de, de la de la rédemption d'accord du, euh, du, du, du paiement de la rançon il a effacé il a effacé, effacé l'acte qui était contre nous et qui consistait en des ordonnances donc la dîme tout ça là hein, tout ça là tout est les sacrifices d'animaux tout ça l'interdiction aussi aux étrangers d'accéder euh, au temple Hein, donc, euh, noir, euh, français, euh, américain, arabe, tout ça. Seuls, mes amis, les, les Hébreux pouvaient accéder au temple. Et encore, seuls les Lévites pouvaient accéder au lieu saint, les sacrificateurs. Et seul le grand prêtre acc pouvait accéder une seule fois par an au lieu très saint, au sein de saint. Et regardez, il a effacé l'acte qui était contre nous et qui consistait en des ordonnances et qui, était contre, qui nous était contraire. Et il a entièrement aboli en le clouant où À la croix. À la, à la, à la croix. croix. Et verset 15. Verset 15, est-ce que, est que quelqu'un peut lire sa haute voix, s'il vous plaît? Pour, 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 pour vous montrer que Satan n'a pas reçu une rançon quel, quel, quelconque, là, mes amis. Il a dépouillé les principautés. Il a quoi? Il a dépouillé les principautés. Il a quoi, tu' dit? Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé Teddy les <inaudible> principautés. Herman, 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 s'il te plaît. Est-ce que tu peux te dire? Lève-toi, s'il te plaît, te Lève-toi, s'il te plaît. On va montrer aux frères et sœurs hein, le dépouillement. Hein, ils savent ce que c'est là. Ce qui est en dessous là, c'est bon là C'est quand même correct Tu penses C'est correct hein C'est correct ouais. On peut te dépouiller là On peut Écoute, écoute, hein, enlève les boutons là s'il te plaît hein, mes amis là. On va dépouiller frère, notre frère là. Hein, au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, voilà. Donc écoutez bien mes amis là. Il a dépouillé. Il a dépouillé les principaux. Tu restes le débout, il n'y a pas de problème. Il a... je, je finis la lecture ici là parce que je suis vraiment excité là mes amis là. Il a dépouillé. Il a dépouillé les principautés et les, et les puissances et les a exposés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le dépouillement, d'accord Le dépouillement. Alors moi j'arrive, je suis plus fort que toi, d'accord Et toi es, tu tu n'es pas le diable, bien sûr, juste un, un exemple, hein? hein? euh, tu es, es le méchant, j'arrive, tout ça là, et je dis, bah, écoute, hein, toi, rien que dans ta présence, hein, dans ma présence, toi, -même, tu commence à enlever ton manteau parce que moi je n'ai pas à te toucher. <laughs> tu enlèves le... le, 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 le euh, t as, t as, voilà. Tu enlèves ça, et, euh, et ce manteau-là, c'est quoi Eh bien, Les clés de la mort et du séjour de mort et de l'enfer. D'accord Qu'il avait volé à Adam et Ève. Parce que c'est un voleur. Le diable est un voleur. Alléluia. Amen. Eh bien, dépouillé, appauvri et non enrichi. D'accord Et c'est fini. Il dit, il dit Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. De l'enfer. Voilà, il te dit. Alors, dire que Satan a, été, a reçu. Euh, une rançon, c'est insulter le Seigneur, c'est méconnaître l'Évangile, parce que la rédemption, c'est la base du, du, du message de Yeshua, de l'Évangile que Paul a prêché. C'est la base de la vie chrétienne. Mais, voilà, donc j'invite tous les frères et sœurs qui veulent se former, les prédicateurs, les dirigeants d'église qui veulent se former, frères, c'est pas de l'orgueil, on a besoin d'être enseigné. Ouais. Les bases, ça c'est les bases, de reprendre les bases. Le conseil que je donne aux dirigeants, c'est quoi aux, 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 aux jeunes qui prêchent. Ne cherchez pas les révélations, là, parce que la Bible est déjà la révélation. Beaucoup cherchent des, ré des révélations et ils vont inventer des choses, des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est ça qui amène la confusion. Et il nous faut revenir aux choses simples de l'Évangile. C'est capital. Et euh, un conseil, le grec, l'hébreu ne, 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 ne sauve pas. D'accord Il faut vraiment comprendre, mes amis, que nous avons besoin de revenir aux bases. C'est capital, avec humilité, avec simplicité, parce que sinon on va induire les gens en erreur avec des doctrines, mes amis, des démons, parce que dire que Satan a reçu une quelconque rançon de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est élever Satan à la dimension de Dieu, au niveau de Dieu, c'est ce que Satan veut. Et c'est le, c'est dire que Yeshua, par son, son, son sacrifice, a enrichi Satan, alors que les Écritures nous disent le contraire, il a été dépouillé. D'accord il a été rendu impuissant, c'est ce que la parole nous dit. Impuissant et dépouillé. Allez vérifier dans le dictionnaire Larousse ce que ces deux termes-là veulent dire. Impuissant et dépouillé. Quoique on peut le vérifier. Hein. Donc je pense que pour la bonne compréhension de tout le monde, si Herman peut nous trouver ces termes-là. Hein. Donc euh, impuissant et dépouillé. Voilà, merci Sayan pour ta parole. Donc euh, on met impuissant, définition. Dieu est grand, Dieu est magnifique. Voilà la rédemption. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, euh, euh, Job. Ah, ben bah oui, il y a le micro ici. Merci, Eric. Et, euh, Job disait Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, qu'il se lèvera le dernier. Donc, le Seigneur est vraiment notre rédempteur. Et, euh, voilà, mes amis, les, la parole est claire, limpide, simple. N'allons pas la compliquer, n'allons pas nous compliquer la vie, n'est-ce pas? Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Israël. Et euh, voilà, donc par sa mort, le Seigneur nous a rapprochés avec le Père, il nous a sauvés, il nous a enrichis plutôt, hein, donc comme la parole le dit, pas avec les billets de banque, il nous a enrichis avec les choses célestes, l'amour, la paix, la joie, la bonté, les fruits de l'esprit. L'onction, l'autorité, tout ça. Et il nous a vraiment, vraiment béni Nous sommes un peuple béni, un peuple libéré. Et, et mes amis, pour finir, afin de vous laisser le temps de poser des questions, comme nous avons quelqu'un en ligne, on va vous prendre dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et euh, Pierre dit quelque chose de très fort. 1 Pierre 2, 9, Pierre dit et, euh, Mais vous, vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale. Vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis. Voilà le mot qui, 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 qui m'intéresse ici. Le peuple acquis. Hein? Donc, euh, euh, l'acquisition. D'accord Le peuple acquis. Comment Par le sang de Yeshua. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, euh, vous qui n'étiez pas... Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, mes amis, donc nous sommes un peuple acquis. Le peuple acquis. Et dans Acte 20-28, le Seigneur dit, euh, euh, Paul dit aux anciens, et euh, Paul dit aux anciens, mes amis, merci pour la parole. Et Acte 20-28, c'est un passage que beaucoup connaissent. Et. Euh, Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Dans les textes, dans les Bibles traduites à partir des textes minoritaires, c'est-à-dire Ségon, Darby, tout ça, ici il est écrit que l'Église du Seigneur, alors que dans les textes majoritaires, texte à partir de... Euh, 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 à partir desquels on a euh, euh, traduit euh, des Bibles comme euh, la Martin, euh, la BGC, euh, l'Osterwald, tout ça, la Bible de Sassi, eh bien, il est écrit ici Dieu, c'est Dieu et non le Seigneur. Le mot ici c'est Théos. Donc l'église de Théos, l'église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Nous sommes le peuple acquis, nous sommes l'église acquise. Comment Par le sang de Dieu. D'accord Et ce n'est pas un homme. Mes amis, euh, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Donc, plus aucun démon ne peut vous tuer. Plus aucun homme ne peut vous maudire. Plus aucun pasteur ne peut vous maudire. Plus aucun ma franc-maçon, rosicrucien euh, euh, et cancar, euh, mes amis, maïcarien ne peut vous détruire. Satan lui-même ne peut rien. D'ailleurs, Paul le dit dans Romains 8, n'est-ce pas, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous mes amis, il dit, j'ai l'assurance, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni, la, ni les anges, ni la faim, ni les persécutions, ni les problèmes, ni rien, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà l'assurance que vous devez avoir. La rédemption, elle est éternelle, n'est-ce pas? Elle est éternelle. Votre salut est, est un salut éternel, mes amis. Soyez en paix, Satan a été vaincu, au nom de Yeshua, Satan a été complètement dépouillé, il n'est pas, mes amis, il ne peut plus nous tuer tant que nous marcherons dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis -vis de sa parole, au nom de Yeshua, rien ne pourra vous arriver et je vous assure, j'en suis une preuve vivante, on a tout fait pour me nuire, me détruire et je vois comment Dieu confond toujours mes ennemis au nom de Yeshua. Alors, euh, le mot, bien sûr, impuissant. Hein, donc euh, l'adjectif impuissant euh, euh, signifie Qui, faute de la force ou des moyens nécessaires, ne peut agir, remplir le rôle qui devrait être le sien. Deuxième la deuxième définition c'est qui est dépourvu d'efficacité, qui n'est pas, hein, qui n'a pas d'effet, de résultat utile. Troisième définition qui est incapable d'accomplir une action ou de produire un effet nécessaire. Donc, vous voyez, et ça, c'est ce que euh, euh, l'adjectif euh, euh, impuissant veut dire. Maintenant, nous allons voir dépouiller. Hein, donc, nous savons ce que c'est, mais on va quand même euh, prendre des, euh, des définitions euh, dans le dictionnaire pour que vous compreniez que le Seigneur est vraiment, mes amis, euh, euh, puissant. Voilà, donc, euh, que Dieu soit glorifié. Et euh, dépouiller, c'est quoi Enlever la peau d'un animal. Les écailles d'un poisson, l'écorcher, les pioter, d'accord, et, euh, et ensuite euh, 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 ôter ses vêtements à quelqu'un, le déshabiller. Donc, on ne peut pas dire que Satan a reçu la rançon de qui que ce soit parce qu'il a été déshabillé, il a été <laughs> dépouillé, voyez, et euh, prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui. Satan ne voulait pas. Malgré lui, le Seigneur a pris les clés qu'il avait de la mort. Et du seigneur des morts. Donc il a été plus, à, plutôt, plus appauvri qu'enrichi. D'accord? L'en priver, le déposséder, d'accord? Dépouiller ses héritiers par un testament, d'accord? Dégarnir quelque chose d'une autre chose en, ou l'en priver. D'accord? Voilà. Donc, euh, et euh, que Dieu euh, soit béni et c'est beau, l'œuvre de la croix. Et nous voulons vraiment dire un grand merci à Jésus Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu pour cette belle œuvre. Et nous voulons vraiment bénir le Père céleste de nous avoir, mes amis, euh, 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 aimés et au point de se sacrifier, de sacrifier son fils unique, Yeshua, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous avez enseigné des fausses doctrines, il est temps, comme nous on l'a fait hier, de vous repentir publiquement. Publiquement. De, de demander pardon aux enfants de Dieu publiquement, aux enfants de Dieu, c'est ça aussi la force d'un prédicateur, d'un enfant de Dieu. L'humilité précède la gloire. Voilà, mes amis. Et comme vous le savez, nous ne voulons plus marcher dans les sentiments. Il est question de la vie éternelle. On ne fait plus de sentiments. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, mes amis, que nous aimons le Seigneur, mais l'ordre doit revenir. L'ordre doit revenir. Au nom de Yeshua. Et euh, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je, je vous appelle parce que l'enseignement que vous apportez est très bon. Ça me, vraiment, ça me, ça me fait du bien. Mais euh, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi en Afrique, les gens continuent à parler de dot, à payer la dot, alors que Jésus nous a rachetés Très bonne question, ma soeur, Et euh, pourquoi Parce que, comme on l'a si bien euh, euh, dit hein, hier et dans le passé, c'est parce que beaucoup, non, non seulement en Afrique, en France, en Europe, partout, blanc, noir, jaune, parce que les hommes veulent garder leur tradition, leur coutume. Le Seigneur disait dans le Matthieu 15 aux pharisiens Vous avez remplacé la parole de Dieu par votre tradition. Donc, euh, la dot euh, n'est pas du tout néo-testamentaire, c'est-à-dire. Elle n'est pas une pratique que les apôtres ont encouragée. Et euh, c'est très, très culturel et, euh, et je vois des gens qui exigent de l'argent pour, pour marier leurs enfants. C'est tout simplement du vol. Voilà. Donc, euh, respecter ses beaux-parents, euh, sa belle famille, euh, euh, honorer sa belle famille, ce n'est pas seulement en leur offrant des biens matériels. C'est en étant respectueux. C'est en étant, mes amis, euh, en aimant son mari, sa femme. Et. Euh, pourquoi les gens continuent-ils à observer cette pratique C'est parce que beaucoup, euh, mes amis, euh, ma sœur, aiment tout simplement l'argent. D'autres sont tout simplement dans l'ignorance. C'est pour cela qu'il faut enseigner pour qu'ils comprennent ces choses-là. Et c'est pour cela que nous luttons, nous nous battons pour amener les gens à, à comprendre que Christ nous a délivrés de toutes ces choses-là. Voilà, donc, euh, et c'est tout simplement du vol, c'est devenu un commerce, et c'est complètement euh, charnel, et voire même euh, parfois euh, di diabolique. Voilà. Je te remercie, mon frère, je te remercie parce que j'ai beaucoup exalté les frères et sœurs, euh, surtout, surtout ici, hein. je, je suis à Laval depuis, euh, depuis deux ans et demi, trois ans bientôt et Les gens n'acceptent pas. Les gens n'acceptent pas que je leur dise que Jésus vous a déjà racheté. Il a déjà payé un grand prix. Donc, pourquoi vous acceptez encore? Non, mais nos parents, je, les, mes parents ne pourront pas accepter ça. Que, comment dire à mes parents? J'ai dit, mais vous êtes rachetés. C'est vous qui devriez euh, comment, euh, parler à vos parents. Leur expliquer la chose. C'est ah. vous qui êtes dans la lumière. Donc, il faut parler à vos parents. pour dire, non, vous n'êtes pas une marchandise. Amen, Amen, Amen. C'est tout à fait le, le mot exact. Voilà, donc euh, malheureusement, euh, beaucoup ne veulent pas de la vérité. Ils veulent, euh, voilà, euh, trouver des versets ici et là qu'ils tordent, hein, donc comme Pierre le dit, mm -hmm. Paul le dit, euh, euh, pour justifier cette pratique-là oui, qui n'est oui, pas oui. du tout, euh, euh, comment dire, néo-testamentaire. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. On prie pour eux. Je, je te remercie, mon frère. Que merci, te merci, bon merci courage. Pour tout ce que tu... Merci, au revoir, au revoir. Au revoir. Que Dieu soit béni. C'est beau de réaliser que nous sommes délivrés. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes amis. Paul nous dit ceci pour finir dans Galates chapitre 5. C'est un passage qui est très, très fort hein, aussi. Hein. Galates chapitre 5. Et. Euh, voilà, Seigneur merci pour ta parole, Galate chapitre 5 verset 1 demeurez donc ferme, demeurez donc ferme dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude, voilà, ici il était question de la loi, parce que la loi aussi comme on l'a vu euh, était euh, nous, est, nous, nous, nous 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 contrôler, nous, euh, comment dit, nous écraser, euh, nous condamner, voilà, le mot exact, donc euh, nous condamner, et euh, le Seigneur nous en a délivré. Donc Paul dit justement aux chrétiens ici, de ne surtout pas se laisser de nouveau mettre sous le joug de qui que ce soit, de quoi que ce soit, n'est-ce pas De demeurer ferme dans la liberté pour laquelle Christ nous a franchis. Donc euh, personnellement, je ne veux plus être sous le joug de quoi que ce soit, de qui que ce soit, je sais que beaucoup ont voulu hier me contrôler, même encore aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Alors, ceux qui disent qu'on n'écoute pas, on écoute ce que Dieu nous dit. Et ceux, les, les frères et sœurs, disent des choses que Dieu nous dit, on écoute. Mais si c'est n'est pas ce que Dieu dit, on n'écoute pas. Voilà, c'est comme ça. Que Dieu soit béni au nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà, je crois que c'est fini. Euh, que le Seigneur soit béni. Ah, on a quelqu'un en ligne Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, euh, bon, euh, bonsoir, frère. Bonsoir. Ouais, bon, juste, euh, j'allais poser la question euh, si par exemple, aujourd'hui, si par exemple, aujourd'hui, euh, vous avez euh, des parents qui sont dans la sorcellerie, et euh, bon, vous le savez très bien que non, ils sont dans la société par rapport au combat, par rapport à tout ce que. Euh, euh, par rapport à tout ce que. Euh, euh, comment dire euh, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tes parents. Donc, tu le sais très bien que donc ils sont dans la sorcellerie. Est-ce que on ne peut pas dire la vérité aux parents que non, euh, vous êtes dans la sorcellerie, donc arrêtez euh, de pratiquer la sorcellerie. Donc, euh, il faut donner votre vie au, au Seigneur. Ben, si vous ne dites pas la vérité à vos parents, si jamais ils sont de la sorcellerie, comment voulez-vous les sauver? C'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui délivre. Dans l'amour, bien sûr, il faudrait dire la vérité. Parce que si je dis ça, moi, ma mère, elle est pasteur, mon père, il est diacre. Mais moi, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que je vois quand je dors la nuit, parce que je le vois bien, le Seigneur, il me montre tout. Bon, mais moi, comme on dit que... Euh, il faut respecter vos parents. Donc, moi, je n'arrive pas, je n'ai pas cette force-là de leur dire que non, voilà, vous êtes dans la sorcellerie, machin, tout, tout, tout. Donc, par rapport au respect que je le dois, donc, je ne veux pas leur dire euh, clairement comme ça. Donc, moi, je trouve peut-être c'est un péché. Si, si, si je dis ça clairement, bon, ouvertement comme ça, donc, euh, si c'est un peu chier, bon, je ne sais pas. Donc, c'est ce que donc, je voudrais dire. Mais, pour, franchement, pour moi, je veux vraiment les parler, le dire que non, vous êtes dans la société, donc arrêtez la société, donc il faut donner votre vie au Seigneur. Là, il faudrait dire la vérité dans l'amour, bien sûr, il faut le faire, parce que sinon on va, rester, on va être hypocrite, hein, il faut dire la vérité, voilà. Bon courage. Merci frère, au revoir. Voilà mes amis, nous bénissons le Seigneur. Rappelez-vous bien que le 3... Euh, euh, à partir du 3 juin, il y a une mission euh, au Canada et aux États-Unis. Vous êtes nombreux à nous appeler hein, pour euh, avoir les informations concernant ces, euh, cette, euh, voilà, ces programmes, parce qu'il y en a plusieurs. Et, euh, que le Seigneur soit bien en tout cas pour votre mobilisa mobilisation, pour, votre, votre, pour votre, vos, vos prières. Merci encore pour votre patience. Que le Seigneur vous garde, mes amis, au nom de Yeshua, dans la paix. Que Dieu vous garde. Au revoir.